Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 19 mars. Le guide Michelin a livré son verdict hier. La principauté compte désormais 7 restaurants étoilés avec le sacre de l'établissement. Les ambassadeurs by Christophe Cussac, auréolés de 2 étoiles. Le chef pâtissier Patrick Messiano et le chef Yannick Aleno ont eux aussi été distingués. Monaco et l'océan, un engagement historique. La connaissance et la préservation des écosystèmes marins sont inscrits dans l'ADN de la principauté. L'organisation de la Monaco Blue Initiative et la Monaco Ocean Week affirment cela. Vous verrez ce soir que les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle peuvent jouer un rôle dans ces enjeux qui nous concernent tous. La principauté attire comme elle fascine. Chaque année, des millions de visiteurs viennent découvrir Monaco. La direction du tourisme et des congrès vient de dévoiler ses chiffres pour 2023 et les perspectives pour l'année en cours. Nous en parlerons avec Guy Antonielli. Et puis en basket, la Roca Team se prépare pour sa semaine européenne. Les Monégasques, invaincus depuis 8 rencontres, reçoivent Milan mercredi et Valence vendredi. Le guide Michelin a révélé son palmarès 2024 lundi soir à Tours. 62 nouveaux restaurants ont été distingués. Parmi eux, les ambassadeurs by Christophe Cussac qui a été auréolé de 2 étoiles. L'établissement situé à l'hôtel Métropole vient compléter cette longue liste de restaurants étoilés en principauté. On peut citer par exemple les 3 étoiles du Louis XV à Alain Ducasse à l'hôtel de Paris, les 2 étoiles du Blue Bay de Marcel Ravin ou encore l'étoile du restaurant Rampoldi d'Antonio Salvatore. Christophe Cussac inscrit son nom dans le célèbre guide rouge et brille de 2 étoiles 9 mois seulement après l'ouverture de son établissement. Une reconnaissance éclatante pour le chef et son équipe, mais aussi pour le chef pâtissier Patrick Messiano, qui a reçu lors de cette cérémonie de prix le prix Passion Dessert 2024. Il y a quelques mois, une équipe de Monaco Info s'était rendue dans les cuisines du restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac. Nous vous proposons ce soir de redécouvrir ce reportage. La cuisine est un moment de partage. À l'hôtel Métropole, au restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, le chef est entouré d'une brigade de 10 cuisiniers. L'équipe arrive à 15h pour commencer le service à 19h30. Il y a les légumes à préparer, il y a les viandes à préparer, il y a toute une mise en place qui permet d'avoir un produit presque fini. Et prêt à la cuisson, prêt à être consommé, prêt à être dressé au dernier moment. Il y a une confiance, hein, c'est ça le plus difficile, je pense, à créer, parce qu'il y a beaucoup de détails et je ne vais pas tout regarder. Donc on arrive à avoir une vitesse de croisière et je me répète, une confiance qui permet de se concentrer sur l'assiette finie que l'on apporte au client. Une demi-heure avant le début du service, place au traditionnel briefing. Le premier maître d'hôtel fait le point, entouré de ses adjoints, du chef sommelier, des chefs de rang et des commis. Lucio, Mario, Pasmiai, service et boisson chaude, Bernard. Ce soir, les mignardises sont coco au lait, caramel noir, orangette et macaron framboise vanille. On partage les informations sur les clients qui sont présents, les clients qui reviennent. Je pense sur la journée, ça permet aussi de tester un petit peu l'équipe au niveau des connaissances et d'approfondir un tout petit peu qu'est-ce que c'est le service et comment ça va se dérouler. Un quart d'heure avant l'arrivée des premiers clients, le ballet des cuisiniers s'intensifie autour du chef. Il va falloir sortir entre 4 et 6 plats par personne pour une quarantaine de couverts. Ça approche, on ne va pas dire que la tension monte, mais la concentration s'accélère. Vos équipes travaillent sur quoi? C'est plutôt une partie apéritif. Quels sont les produits là, sur lesquels vous travaillez en ce moment? Non, ben les entrées, tout ce qui est les plats froids, on peut commencer à les finir, comme on peut voir. Il y a le tian, on le découpe. Ce sont les dernières touches pour pouvoir finir et être prêt à une commande spécifique. À 19h30, les clients s'installent. L'imposant chariot à pain débarque avec ses 19 variétés différentes. Tout a été préparé sur place, dans l'après-midi, par le boulanger du restaurant. Les premières commandes arrivent, menu dégustation, plat à la carte ou fine bouchée. Les mets sortent et sont servis en salle. Les plus gourmands ont un œil sur le chariot des tartes et sa quinzaine de pâtisseries. Tout le monde est sur le pont jusqu'à 23h pour cette expérience culinaire unique aux saveurs méditerranéennes.
Et précisons que Yannick Aleno a lui reçu le prix Chef Mentor lors de cette cérémonie du Guide Michelin, un prix qui vient saluer l'implication du chef aux 15 étoiles dans la transmission et la mise en place d'un cadre inclusif et collaboratif au sein de ses établissements. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Cette semaine est dédiée à l'océan en principauté. La Monaco Ocean Week a été lancée officiellement lors d'un cocktail au Yacht Club de Monaco. Le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Venden, Patrick Rampal, président du Centre scientifique de Monaco, et Gérald Mathieu, CEO de la Barclays Monaco, ont pris la parole pour donner le ton de ce rendez-vous international sur la protection de l'océan. En amont de cet événement, la Monaco Blue Initiative a également réuni des scientifiques, des décideurs, des organisations internationales sur le même thème. Alors que retenir de cette 15e édition? La réponse avec Alban Jean-Jambre et Alexandra Marangoni. Les Nations Unies ont établi 17 objectifs de développement durable à mettre en place d'ici 2030, mais l'objectif lié à la préservation de l'océan est le moins financé. C'est ce genre de constat qui motive les acteurs de la Monaco Blue Initiative à se réunir. La communauté océan est forte, est présente et extrêmement motivée. Il y a trois mots-clés sur les 10 prochaines années, c'est mise en œuvre, mise en œuvre, mise en œuvre. Il faut passer vraiment des décisions à l'action. On a eu un focus sur l'économie bleue, comment la rendre soutenable, régénérative, et aussi un focus sur la mer Méditerranée qui doit contribuer, elle aussi, à atteindre l'objectif du cadre global pour la biodiversité. L'objectif est le suivant, 8% de l'océan est protégé, il faudrait atteindre les 30% d'ici 2030 pour stopper l'effondrement de la vie marine. Nous, on travaille sur la création des aires marines protégées, des réserves marines, sans pêche, sans minerie, sans prospection pétrolière. Et c'est des endroits incroyables où la vie marine se récupère et aide à repeupler les aires à côté. Alors ça fonctionne pour la vie marine, ça fonctionne pour du tourisme, de créer des emplois. Économiquement, c'est un très bon business. Et aussi pour la pêche, à côté de ces zones protégées. Donc, c'est beaucoup mieux que maintenant où on pêche partout. Alors les aires marines protégées sont une solution win-win-win, des multiples bénéfices pour la vie marine et pour les gens. Cette 15e édition de la Monaco Blue Initiative semble avoir convaincu tous ses participants avec des solutions concrètes apportées pour sauver l'océan. Et pour faciliter le travail de tous ceux qui œuvrent pour la sauvegarde des océans, il y a l'intelligence artificielle, une thématique abordée lors d'une table ronde de la Monaco Ocean Week pour démontrer son utilité et informer sur ses multiples possibilités. Les détails avec Alban Jean-Jambre et Thomas Deus. L'intelligence artificielle est partout, elle permet d'optimiser les projets et de comprendre ce que l'on ne voit pas. Exemple avec les aires marines protégées qui font partie des solutions concrètes pour sauver les océans. Utiliser des drones qui vont aller scanner en fait les aires marines protégées et traiter ça avec de la donnée en fait qu'ils vont accumuler permet en fait d'envoyer en cas de nécessité quelqu'un sur site et de diminuer les coûts parce qu'on ne va pas les envoyer systématiquement. Et surtout, ça permet de mieux comprendre les écosystèmes parce qu'on accumule beaucoup d'informations et l'intelligence en fait, artificielle est un accélérateur en fait, de modèles. Sur un centimètre carré, on a, avec l'intelligence artificielle, modélisé l'évolution de ces écosystèmes en 5-6 minutes au lieu de 20 ans avec des méthodes traditionnelles. Prise de données et optimisation, l'intelligence artificielle mobilise plusieurs domaines. Quand on parle de tout ce qui est opération portuaire ou même dans la fabrication des navires, on réalise qu'on peut intégrer l'IA à tout ça. Et ensuite, on a tous les nouveaux champs émergents. Quand on parle de culture d'algues, on peut faire des images satellites et faire toute la gestion de la culture d'algues. Les exemples sont très, très nombreux. Ça peut aller du drone sous-marin, des véhicules autonomes. Donc, dans presque tout ce qu'on développe au niveau du portfolio de l'économie bleue, il peut y avoir une composante IA. L'intelligence artificielle rassemble des acteurs de tout horizon pour un objectif commun, sauver les océans. Passons à toute autre chose. À présent, en janvier dernier, la direction du tourisme et des congrès révélait une fréquentation exceptionnelle durant les fêtes de fin d'année
en principauté. De quoi clôturer 2023 en beauté. La DTC a dévoilé aujourd'hui son bilan pour l'année écoulée et présenté les orientations stratégiques pour 2024. Un moment qui a eu lieu au Grimaldi Forum, en présence notamment du ministre d'État, Pierre Dartout, et de Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'Économie. Rejoignons sur place le directeur du tourisme et des congrès pour faire le point. Bonsoir Guy Antonelli. Bonsoir Émilie. Vous avez présenté aujourd'hui le bilan de l'activité touristique en principauté. Pour l'année 2023, quels sont les chiffres à retenir ? Deux chiffres principaux, un taux d'occupation de 57%, en hausse de 1 point par rapport à 2022, et un prix moyen qui atteint un record, en hausse encore de 3,5% par rapport à l'année dernière. Donc une très belle année pour les hôtels de la principauté. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous étonnent ? Ce ne sont pas des chiffres qui nous étonnent car le tourisme a repris dans le monde entier et actuellement uniquement la zone Asie est encore un peu en retrait. Donc ce sont de très bons chiffres, mais les efforts doivent se poursuivre car nous ne sommes quand même toujours pas revenus au niveau pré-Covid. La principauté attire de nombreuses nationalités qui figurent dans le top 3, Guy Antonelli. Le top 3 est un peu bouleversé cette année. Premier la France, second les États-Unis, troisième l'Italie, ce qui pousse le Royaume-Uni hors du top 3 du fait de l'entrée des États-Unis. Comment on peut expliquer cela ? Les États-Unis ont une soif de voyage inextinguible. Dans le monde entier, les Américains poussent extrêmement fort. Et puis évidemment, le Moyen-Orient, de nombreuses nationalités souhaitent voyager. Et Monaco, de par le rêve qu'elle incarne, attire toujours énormément nos visiteurs étrangers. Et qu'en est-il du tourisme d'affaires ? Le tourisme d'affaires, le constat est beaucoup plus mitigé. Point très positif, nous avons gardé tous nos grands congrès fidèles. E-commerce est tenu semaine dernière, Anti-Aging se tiendra d'ici 10 jours. Le festival télé arrive en juin, Sportel sera là cet automne, comme les rendez-vous de septembre. Mais si les grands événements sont là et ont même cru en taille, d'autres de taille plus restreinte ont vu leur nombre de participants diminuer ainsi que le nombre de demandes se réduire. Mais il faut ramener cela au contexte. Pendant 2 ans, nous n'avons pas pu commercialiser de tourisme d'affaires, donc les Américains sont en retard, donc tout ce retard est en train d'être rattrapé. 2025 s'annonce exceptionnel à de nombreux titres, du fait, un, du retour des Américains, mais bien évidemment, du 25e anniversaire du Grimaldi Forum et de l'ouverture de l'extension du Grimaldi Forum en tout début d'année 2025. Globalement, Guy Antonelli, on peut dire que les projections sont optimistes pour l'année 2024. Les projections sont optimistes, ce qui ne veut pas dire bien évidemment qu'il faille se reposer sur nos lauriers. Et c'est pour ça que la DTC va continuer à déployer la campagne Like Nowhere Else sur les marchés les plus porteurs que sont les États-Unis et le Moyen-Orient, mais aussi bien évidemment sur nos marchés traditionnels et qui nous sont fidèles depuis de très nombreuses années et au premier titre les marchés européens de proximité. Oui, parce que la région est très concurrentielle. Comment résister face à cela ? La région est au sens large la Méditerranée et la destination la plus attractive de la planète. Monaco a un avantage, c'est que c'est une destination comme nulle part ailleurs au cœur de cet écosystème. Et surtout, chose que nous vendons, que nous promouvons, c'est que venir à Monaco, c'est un hub pour visiter la Côte d'Azur, la Riviera italienne, visiter 3 pays en un. Venez à Monaco, faites-en votre base de séjour et vous pourrez visiter la France et l'Italie également. Est-ce qu'il y a des pays cibles ? Guy Antonelli, vous parliez tout à l'heure de la Chine qui est un petit peu délaissée. Est-ce qu'on a envie de reconquérir ses clients, de les ramener à la destination Monaco ? Alors bien évidemment, la Chine ne peut pas être laissée de côté. C'est un marché qui est encore à conquérir. Pour la destination, la Chine n'a jamais dépassé 2% du nombre total de nuitées. Donc vous voyez, ce n'est pas un marché premier de la destination. Ça reste un marché en développement. Et d'ailleurs, la campagne de la DTC apparaît dans les avions de Air China cette année. Donc oui, c'est une destination que l'on travaille, mais ça n'est pas encore une des destinations majeures, un des marchés sources majeurs de la destination. Et quel est le marché source majeur ? C'est la France. Ça reste la France depuis l'an 2000, quand la France a doublé l'Italie comme premier marché de la destination. Et l'objectif, c'est quoi, Guy Antonelli ? C'est d'attirer de plus en plus de visiteurs ou de se concentrer sur ce que peut offrir la destination Monaco, cette expérience exceptionnelle ?
Alors, non, plus pour plus n'est pas intéressant, encore moins pour une destination haut de gamme comme la Principauté. Nous souhaitons du tourisme de qualité. Pour avoir du tourisme de qualité, il faut d'abord offrir des produits de qualité. Nous avons la chance que les partenaires de la destination, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants, que ce soit les centres de congrès et de conférences ou les musées, offrent en permanence des nouveautés de très haute qualité. Et donc, nous devons aller conquérir la clientèle qui a envie de ce produit-là. Mais nous sommes certains qu'elle est suffisamment nombreuse dans le monde et dans nos marchés sources pour continuer à nourrir l'écosystème touristique de Monaco. Eh bien, merci beaucoup Guy Antonelli d'avoir été notre invité ce soir pour faire le point sur cette fréquentation touristique en Principauté et parler de l'avenir, parler de 2024 ensemble. Merci. Merci à vous Émilie, bonsoir. Cela peut paraître étonnant, des terrains de padel ont investi les terrasses du casino de Monte-Carlo. Du 15 au 24 mars, la Principauté accueille le CMB Monaco Master, un prestigieux tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs. Coup de projecteur sur ce rendez-vous dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. C'est le premier grand rendez-vous du calendrier Day One Padel, un circuit mondial d'au moins 18 tournois répartis sur une dizaine de pays, qui a pour vocation d'amener le padel dans le monde entier. La quatrième édition du CMB Monaco Master a débuté le week-end dernier. 128 joueurs inscrits, qualifications comprises pour ce premier Master de la saison. C'est un événement maintenant qui fait partie de l'histoire de la Principauté. On est au pied du casino et de l'Opéra de Monaco, sur les terrasses du soleil. Donc un Master, chose très importante dans l'année. Et tous les joueurs sont là, présents. Présentez-nous justement les principales paires et les favoris pour la victoire. Alors les numéros 1, Dalbianco Arce, qui n'ont jamais gagné à Monaco, Tolito et Gonzalo Alfonso, Alemandi et Rama Pereira, et bon, il y en a plein d'autres, mais ils sont tous au rendez-vous, donc on espère une semaine impressionnante d'un Master à Monaco. L'événement est diffusé dans 10 pays sur différentes chaînes de télévision, ainsi qu'en live sur YouTube. Après cette étape monégasque, le circuit A1 Padel prendra la direction du Chili, puis du Mexique, pour deux tournois Open en avril et en mai. En basket, après son élimination en demi-finale de la Coupe de France la semaine dernière, la Roca Team a eu très peu de temps pour préparer le match d'Euroleague face à Milan. Mercredi soir à Gaston Médecin, les Monégasques peuvent enchaîner un 9e succès consécutif dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Écoutez le capitaine Yacouba Ouattara et l'entraîneur Sacha Obradovic au micro de Frédéric Elion. C'est la deuxième coupe qu'on laisse passer. C'est un objectif fort pour nous cette saison. Donc ouais, non, c'est une frustration. Attends, faut arriver à se relever de ça, même si c'est difficile. Mais il nous reste encore l'Euroleague et le championnat de France. You know, like I feel very mad about, you know, like even this competition being placed in this moment. You know, even now after this for 3 games in 4 days, you know, like the team is completely empty, you know, physically, mentally, you know, like here we could not do any preparation. To have experience from the previous year, you know, like also playing the finals, you know, there and coming to the here, this is insane. You know, like somebody who make this schedule, I have to say, you know, like doesn't have any understanding, you know, like for, you know, the team who is supposed to, you know, like represent you, you know, like here. So it's really a big doubt, big concern, you know, how we're going to look tomorrow. Monaco-Milan, c'est donc mercredi soir à 19h à Gaston Médecin. Match comptant pour la 30e journée d'Euroleague. Une idée sortie pour le week-end à présent, ce samedi. La compagnie Jacques Biagini présente au Théâtre des Variétés Monsieur de Pourceaugnac à Villefranche-sur-Mer. Cette comédie réunit les thèmes favoris de Molière, l'amour, le mariage, la bourgeoisie et les médecins. Une vingtaine de comédiens sera en représentation sur scène pour la bonne cause, puisque les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l'association Écoute Cancer Réconfort. La météo, c'est avec Christinda Tomel. Bonsoir Christinda, quelles sont les prévisions pour la journée de mercredi?
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain pour le premier jour du printemps, le temps sera malheureusement couvert au lever du jour, mais les nuages se dissiperont progressivement pour laisser place à un beau ciel bleu dans l'après-midi. Les températures monteront jusqu'à 17 degrés, une légère brise soufflera tout au long de la journée. Demain, nous fêterons les Herbert. Et demain, cela sera également la journée internationale du bonheur que nous évoquerons dans notre JT. On referme ce journal avec les photos de Frédéric Nébinger qui nous emmène dans ce nouvel établissement 2 étoiles au guide Michelin de la Principauté, les ambassadeurs by Christophe Cussac. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.